Carnet rose. Stéphanie de Monaco vient de devenir grand-mère pour la première fois. Son fils Louis Ducruet et son épouse Marie-Oa Chevalier viennent d'accueillir leur petite fille. Louis Ducruet et son épouse Marie-Oa Chevalier filent le parfait amour depuis plusieurs années. C'est en 2019 que les deux amoureux s'étaient mariés. Il ne manquait qu'un enfant pour sceller leur idylle. En novembre dernier, ils annonçaient qu'ils allaient devenir parents pour la première fois. Une aventure est sur le point de commencer, avait annoncé le fils de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet sur Instagram. Je vais être la meilleure des tatas. S'était réjouie Camille Gottlieb, la sœur du jeune homme, aux anges. Un mois plus tard, le jeune couple avait révélé le sexe du bébé à venir lors d'une gender reveal. La petite fille est arrivée avec quelques jours d'avance. La TNT est terminée pour les jeunes parents et c'est l'oncle du jeune homme, le prince Albert II, qui a vendu la mèche, ce mardi 4 avril. Il a profité d'une remise de diplôme au secouriste de la Croix-Rouge monégasque pour révéler sur la scène de l'Auditorium Régnier 3, que le bébé avait vu le jour. Mon neveu Louis Ducruet et son épouse Marie ont la joie d'être parents d'une petite fille, a-t-il ainsi annoncé. Il n'a cependant pas révélé son prénom, laissant ce privilège aux heureux parents. Comme le signalent nos confrères du magazine Gala, la nouvelle venue a pointé le bout de son nez avec quelques jours d'avance, puisque le terme était prévu pour la mi-avril. Cette naissance doit être un véritable bonheur pour Louis Ducruet, qui s'était confié sur ses envies de paternité. Nous y pensons, bien sûr. La pression est forte entre ma grand-mère paternelle, ma mère, celle de Marie, ses deux frères, mes sœurs qui nous posent régulièrement la question, avait-il confié au magazine Point de Vue. Cela fait déjà plusieurs années que je désire être père, Marie souhaite attendre un peu. 30 ans serait le bel âge pour concrétiser ce projet, ajoutait-il. Une nouvelle qui avait ému aux larmes Daniel Ducruet. Louis Ducruet avait également révélé la manière dont ses deux parents avaient accueilli la nouvelle de la grossesse de sa femme. Mon père, un émotif de première catégorie, a fondu en larmes, avait-il raconté. Ses sœurs et sa mère, Stéphanie de Monaco avaient, elles, explosé de joie. Quant au futur papa, il était resté sans voix. Cela fait très longtemps que je l'attendais. Depuis l'âge de 26 ans. J'étais tellement heureux, tellement choqué que je n'aille même pas réussi à pleurer, avait-il complété. À lire aussi Stéphanie de Monaco bientôt grand-mère, son fils Louis Ducruet va devenir papa pour la première fois. Photo.